Laisse un like et abonne-toi dans les 3,2 prochaines secondes où cette araignée sera dans ton lit ce soir. Fais-le et regarde jusqu'à la fin de la vidéo, on ne sait jamais. Hello everyone, it's your boy Yannick LP1 et j'espère que vous allez tous très bien les amis, je vous adore les gars. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un exécuteur sur Roblox pour pouvoir cheat sur Roblox et avoir tous les fruits que vous voulez sur Blox Fruit ou juste cheat sur d'autres jeux. Mais les gars, rappelez-vous-en, si vous faites bannir ou kick d'un jeu, bah ça sera pas ma faute, ça sera de votre faute parce que les gars, faut le savoir, là je vous montre comment installer un exécuteur gratuit. Les gratuits, c'est pas les plus safe, tu vois, tu te fais cramer assez facilement par les anti-cheats de Roblox. Et surtout, si vous jouez à un jeu et que vous commencez à buter tout le monde sans raison avec un hack, vous étonnez pas si les gens commencent à vous report. Genre j'ai envie de dire frère, c'est cramé que tu cheats, ok? Donc là je vais vous montrer comment l'installer, comment utiliser le cheat et comment se connecter bah, tout simplement sur Blox Fruit. Et bah juste hack et avoir tous les fruits et tous les trucs gratuits, être level max en moins de 3 heures et tout ce qu'il faut, tu vois. Bien sûr les gars, très important, n'hésitez pas à cheat sur un compte secondaire pour voir bah, si ça fonctionne, si ça marche, tout ça. Et ensuite, bah, vous faites ce que vous voulez sur votre compte principal. Le compte secondaire, c'est juste une petite sécurité. Donc, les liens seront en description sur mon serveur Discord. Vous rejoignez le serveur Discord, il y aura tous les liens, tout ce qu'il faut. Désactivez l'antivirus de votre PC, c'est très important parce que sinon, vous pouvez pas installer le cheat parce que ça sera reconnu comme un virus, même si ça ne l'est pas. Et donc, c'est très simple. Aujourd'hui, on va utiliser Trigon ou Trijon ou Trijon, je sais pas, appeler ça comme vous voulez. C'est un exécuteur gratuit qui est assez simple d'utilisation et qui est juste bah, pas chiant à utiliser. Moi j'en ai un payant parce que moi je suis un giga gros rat de la street. Car tu connais moi les gars, moi je suis prêt à plaquer 20 balles hein. Tant que je me fais pas cramer c'est tranquille. Sauf que je cheat plus depuis plusieurs années. Et donc c'est très simple les gars, vous allez cliquer sur download option. Vous allez faire get trigon add maven. Vous cliquez sur tout affiché. Vous faites conserver le fichier dangereux. Je vous conseille d'installer winrar juste là qui est gratuit, lien sur Discord aussi. Une fois installé, hop on vient ici. Normalement, il sera en compressé. Vous allez faire clic droit, vous allez faire extraire vers machin truc, je sais pas, ça mettra ce que vous voulez. Vous faites extraire tout ça, t'as capté. Ensuite, là, tu vas faire Trigon Evo truc. Hop, balèque, t'ouvres, tu fais boum. Là, ça va faire prépare, tu installes Trigon, tout ça. Hop, tu installes ça. Voilà, c'est tranquille, ça fait la petite installation. Ça l'installe dans le même fichier. Bien sûr, les amis, si vous avez peur tout ça, que ça installe un virus, tout ça, les gars. Bah juste aller craquer un antivirus. Genre moi j'ai Avast, croyez pas je l'ai acheté, j'ai pas les thunes. Non les gars, on va dire que j'ai les thunes pour des raisons légales. Mais t'as capté, ça marche très bien, c'est un très bon antivirus. Même quand il est, je connais, tu vois. Et ça me permet de pas avoir de virus. Et de toute façon les gars, je m'en fous d'avoir des virus. Étant donné que je sais comment en installer et comment les supprimer surtout. Donc tu vois, moi je m'en balègue un peu. Ce qui fait donc ça installe. Voilà c'est nice là, tout le monde est content. Wouh. Wow, c'est long frère. Eh hey, mon gars, c'est pas normal. Il y a même pas 8 gigas. Il y a même pas 1 giga tout court mon gars. Pourquoi t'es long? En tout cas, je vais vous skip ça parce que les gars, c'est un peu long, j'avoue. Là, j'écoute du Playboy Cartier, les gars. Ça vous dit, on parle un peu en attendant que ça installe, tout ça. Je suis même pas en live, mais vas-y, on discute. J'espère que les gars, vos journées, elles se passent bien. C'est bientôt les vacances de Pâques, je crois. Ouais. Parce que tu connais, tout ça c'est les vacances. Là on est content, les gars, je parle beaucoup chier, je fais chier hein. Mais en tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vos journées se passent bien, si c'est pas trop la galère. J'espère que ça se passe bien dans la famille, tout ça. J'espère que vous avez des objectifs de vie bien élevés. Pas du style ouais je veux finir médecin, mais du style ouais je veux finir comme Andrew Tate, aller en tôle et gagner plusieurs millions par année. Tu vois, ici on n'est pas en millions, on est en millions mon gars. Ici il faut se faire de la thune pour vivre, sinon tu meurs. Avant c'était la loi du plus fort, maintenant c'est la loi du plus riche. Tu connais hein, Picasso, Mozart. Ah ah, Picasso il fait de la peinture frère, je suis paumé. En tout cas tu connais. Les gars, faites-vous de la thune, c'est très important par tous les moyens. Même l'argent sale en réalité c'est de l'argent propre, c'est juste qu'il n'est pas légal, c'est tout. Mais balèque, tu vois. Frère c'est long. Je vais vous accélérer ça les gars, c'est trop long. Ah ouais, maintenant il me demande d'accepter. Je vais dire oui parce que tu connais. On doit accepter. Boum. Le téléchargement il est fini. Il était long sa mère. Maintenant il va s'ouvrir tout seul. Ils sont automatiquement connectés à mon Discord. Oh ces bâtards ils vont pirater les gars. À l'aide non on déconne les gars. Donc maintenant vous allez faire copy key link 24 heures parce que skip c'est le meilleur. Donc Valek, tu vas ici tu fais ça. Là ils vont te dire tac tac tac. Oh, j'utilise un bloqueur de pub, Balikui, frère. Donc, hop, je vais continuer. Checkpoint 1. Start. Ça lance le truc. Et je mets ça là-bas, en fait.
Tu passes les trucs parce que tu connais. Voilà, step 1, step 2, frère, t'as trop pris, j'allais faire les trucs. Continue, je m'en fous, frère, là, on va faire le check 2, c'est des checkpoints, comme ça, tu vois, il y a des pubs, ils font un peu de moula, un peu de monnaie, un peu d'argent. C'est important, moi, je fais pas ça parce que, vas-y, j'en ai pas besoin, frère, ça me sert trop à rien. Mais vas-y, tu sais, hein, ils veulent se faire un petit peu de monnaie. Donc, on continue, checkpoint 3, c'est le dernier, tu connais. C'est pour ça que c'est gratuit, les gars, parce qu'ils se font un peu de thunes, là, c'est ça. Fais clic, hier, on continue, boum, boum. Si ça vous ouvre des pages, vous les fermez, de toute façon, les gars. Grand. Tu copies qui? Tu fais OK, la clé. Hop, il est juste là, c'est vrai, je l'avais mis. Là, tu fais boum. Tu fais continue, contrôle V, contrôle C, tu connais. Et là, voilà, tac. Le script, il sera aussi sur Discord. Oh, t'as vu, là, je vous cache bien le script. Je suis un gros bâtard, là. Script, tac. Hop, maintenant on va aller sur Roblox, sur un compte secondaire et on va tout simplement tester ce script et je vais vous expliquer comment ce cheat marche. No way. C'est un petit site de compte secondaire qui a été fait par mon gars Sir Mimi. Je le connais pas, mais vas-y, c'est mon gars. Ce qui fait là, tu peux jouer à plein de jeux avec des comptes secondaires gratos, tu payes même pas. Ce qui fait tac. Faut installer des petits logiciels. Hein. Voilà, je précise, mais moi je m'en fous. Voilà, tu connais. Hop, ça s'ouvre. Ça me connecte. Voilà, c'est good. Hein. Tous les liens sont en description, les gars. Je connais. Là, ça va ouvrir Roblox. C'est pas mal. Et maintenant, on est sur Gigablox Fruit. Ce qui est fait maintenant, je vais prendre le script. Je vais cliquer sur Attache pour le connecter tout simplement au jeu. Donc là, statut waiting, not attached. Donc, il faut attendre que ça s'attache. Statut attached. Voilà. Maintenant, on va faire execute. Donc voilà les amis, le script est activé et donc c'est un script qui est mieux que celui que j'ai testé à l'ancienne vidéo. Donc ouais, il est mieux, tu vois, c'est que c'est good en fait. Et donc ce script-là, il a pas mal de capacités aussi intéressantes que l'autre script, même certaines qui sont mieux. Et donc là les amis, le script est tout simplement installé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez farm les levels, hein, je vais vous montrer les trucs de base. Vous activez le auto farm level ici, hop, ça va tout simplement bouger automatiquement et vous farmez vos levels. Vous avez les farms automatiques des surprises, les farms automatiques des os. Vous téléportez au coffre, mais c'est risqué d'après ce qui a été écrit, auto-sia, tout ça, auto farm factory. Vous avez plein d'auto farm, donc c'est pas trop mal. Là, l'auto farm est activé dès qu'un mob spawn. Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse dans le coin, t'as capté. Attendez aussi les gars, très important, n'oubliez pas de prendre votre arme. Donc juste ici, select, weapon, combat, hop. Une fois que l'arme est select, ça va tout simplement auto-farm, juste comme ça, comme tu peux le voir. Ça frappe automatiquement, c'est pas giga rapide les gars, faut le dire. C'est pas fou, mais ça tue tous les monstres en même temps. Ensuite avec ça, ici, vous avez les weapons, donc vous pouvez automatiquement farm certaines armes, donc c'est pas trop mal. Vous pouvez attribuer automatiquement les stats. Vous pouvez tuer des joueurs et juste les faire chier quoi. Vous visez un joueur en particulier, vous le tuez H24. Là pour les fruits, on a le auto-hit fruit, auto-random fruit. Est-ce qu'on a un grab fruit? Oui, juste là on a un grab fruit. Donc ça va tout simplement ramasser les fruits automatiquement. Voilà. Donc là, fruit flamme, fruit du kilo x2. T'as capté? C'est bien. Oh, c'est nice. Là, je peux lâcher. Là, je peux store. Là, je peux manger le fruit. Voilà, t'as capté. On peut aussi automatiquement mettre les fruits dans l'inventaire. Moi, ce que je vous conseille de faire, les amis, c'est très important même de faire ça, j'ai envie de vous dire. C'est de prendre le fruit, d'aller sur un compte secondaire, de tester le fruit sur un compte secondaire. Donc, tu vois, l'auto-farm de fruits, tu le laisses sur un compte secondaire et tu vois si ça marche. Et si ton compte secondaire n'est pas banni avec l'auto-farm de fruits, et bah c'est que c'est tranquille tout simplement. Et donc tu peux le faire sur ton compte principal bien sûr. Et donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Ça sera en description les liens si vous cherchez les amis. Ça sera sur mon Discord. Et donc moi je vous laisse ici. Si vous voulez me soutenir, ce qui est très important les amis, bah likez, abonnez-vous. Et surtout les gars, partagez à vos amis. Comme ça vous pourrez aider vos amis. Et un peu flex, tu vois, en mode ouais moi je connais ça, toi tu connaissais pas, maintenant tu connais grâce à moi, tu vois. Ouais, en fait, juste partager les gars, ça fait plaisir. Et donc moi, je vous laisse ici, passez une agréable journée ou soirée. Et à plus les amis, c'était votre meilleur YouTuber Roblox FR, Yannick LP1.